Dieu, viens à mon aide. Du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons le texte de ce mardi du temps ordinaire, lu par la sœur Cécile Cousin, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Mathias Etier, de la Société des Missions Africaines, commenté par le père Odilon Aménianglo, de la Société des Missions Africaines. Lecture du deuxième livre des Rois. En ces jours-là, Sennachérib, roi d'Assou, envoya des messagers dire à Ézéchias, « Vous parlerez à Ézéchias, roi de Juda, en ces termes. Ne te laisse pas tromper par ton Dieu, en qui tu mets ta confiance et ne dis pas, « Jérusalem ne sera pas livrée aux mains du roi d'Assou.
Tu sais bien ce que les rois d'Assour ont fait à tous les pays. Ils les ont voués à l'anathème. Et toi seul, tu serais délivré? Ézéchias prit la lettre de la main des messagers. Il la lut. Puis il monta à la maison du Seigneur, déplia la lettre devant le Seigneur et devant lui pria en disant « Seigneur, Dieu d'Israël, roi qui siège sur les chérubim, tu es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Prête l'oreille, Seigneur, et entends, ouvre les yeux, Seigneur, et vois. Écoute le message envoyé par Sennacherib pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, Seigneur, que les rois d'Assour ont ravagé les nations et leur territoire et brûlé leurs dieux. En réalité, ce n'était pas des dieux, mais un ouvrage de main d'homme, fait avec du bois et de la pierre. C'est pourquoi ils ont pu le faire disparaître. Maintenant, je t'en supplie, Seigneur notre Dieu, sauve-nous de la main de Sennacherib et tous les royaumes de la terre sauront que tu es, Seigneur, le seul Dieu. Alors le prophète Isaïe, fils d'Amos, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sennacherib, roi d'Assour. Voici la parole que le Seigneur a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle te nargue, la vierge et la fille de Sion. Elle hoche la tête pour se moquer de toi, la fille de Jérusalem. Oui, un reste sortira de Jérusalem et des survivants de la montagne de Sion. Il fera cela l'amour jaloux du Seigneur. Et voici ce que dit le Seigneur au sujet du roi d'Assour. Il n'entrera pas dans cette ville, il ne lui lancera pas une seule flèche, il ne lui opposera pas un seul bouclier, il n'élèvera pas un seul remblai. Il retournera par le chemin par lequel il est venu. Non, il n'entrera pas dans cette ville, oracle du Seigneur. Je protégerai cette ville. Je la sauverai à cause de moi-même et à cause de David, mon serviteur. La nuit même, l'ange du Seigneur sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp assyrien. Le matin, quand on se leva, ce n'était que des cadavres. Sennacherib, roi d'Assour, plia bagage et s'en alla. Il revint à Ninive et y demeura. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 47. La ville du Seigneur, Dieu la fermera pour toujours. Il est grand le Seigneur hautement loué dans la ville de notre Dieu. Sa sainte montagne entière est belle, joie de toute la terre. La ville du Seigneur, Dieu la fermera pour toujours. La montagne de Sion, c'est le pôle du monde, la cité du grand roi. Dieu se révèle en ses palais, vraie citadelle. La ville du Seigneur, Dieu la fermera pour toujours. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Ta main droite qui donne la victoire réjouit la montagne de Sion. La ville du Seigneur, Dieu la fermera pour toujours. Alléluia, alléluia, alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia,
Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 7, verset 6, verset 12 à 14. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. » Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande, la porte. Il est large, le chemin qui conduit à la perdition. Et ils sont nombreux, ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite, la porte. Il est resserré, le chemin qui conduit à la vie. Et ils sont peu nombreux, ceux qui le trouvent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, la première lecture de ce jour me rappelle un petit documentaire que j'ai regardé quand j'étais tout petit. Et il est question d'un lionceau terrible qui aimait provoquer les autres animaux de la brousse. Il est tellement rusé qu'il les tue tous. Il est très méchant. Et un jour, dans sa promenade, il tombe sur un singe qui est perché sur un petit arbre au bord d'une rivière. Et il fait tout pour dévorer ce dernier. Mais ce singe était aussi très malin. Et il jouait sur l'arbre jusqu'à provoquer la chute de lionceau dans la rivière. Ce dernier fut emporté par les vagues et les courants de la rivière. Une triste fin pour lui. Triste fin. Dans la vie, lorsqu'on va de victoire en victoire, on pense être le plus fort jusqu'au jour où on rencontre un plus fort. C'est en ce moment-là qu'on comprend qu'on n'est rien. Bien-aimés, c'est un scénario similaire que nous assistons dans la première lecture. Hier, nous avons écouté comment les pays d'Israël ont été détruits et leurs habitants déportés en exil par le roi assyrien Salmanazar. Et le texte nous avait donné la cause de cette épreuve. Il dit « Israël s'est détourné de Dieu, c'est là leur péché ». La conséquence de leur déportation. Et aujourd'hui, nous écoutons le tour d'un autre roi assyrien, Sennachérib, qui envoie une note d'avertissement au roi de Juda, de se préparer pour son tour, de ne même pas compter sur Dieu en qui il fait confiance, car les expériences ont montré qu'aucun pays ne recule devant les Assyriens. Les rois païens se sont bien moqués. Le roi Sennachérib s'est bien moqué du royaume de Juda avec son roi Ézéchias, de ne même pas penser faire l'exception. Il sera écrasé, il ne fera pas exception à la règle, il sera détruit. Mais dans cette situation sérieuse et humiliante, le roi de Juda se tourna vers Dieu et fait confiance en Dieu. Il confie sa cause à Dieu. Et dans sa prière, il rappelle au Seigneur que c'est lui le Seigneur qui est le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. Tout lui appartient, inclus celui-là même qui les menace, c'est-à-dire Sennachérib, lui qui se moque de son peuple. Et la deuxième partie de sa prière dit « Sauve-nous de la main du roi Sennachérib, délivre-nous !» Voilà les deux points. D'abord, il fait confiance et après, il implore pour que Dieu puisse les sauver. Et le texte finit par nous dire que la nuit-là même, l'ange du Seigneur sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp assyrien. Ainsi, Sennachérib fait quoi? Il plia bagage et il s'en alla. Il plia bagage totalement et il s'en alla. Il s'en fut. Devant deux grands, il y a toujours un plus grand.
Et la force de Judas, c'est parce qu'il était du côté du plus grand qui est Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce texte nous rappelle que Dieu affermit toujours ceux qui se confient en lui. Ils ne sont jamais déçus. Le chemin peut paraître rude et difficile, mais ils finissent toujours par triompher. Confions-nous seulement à Dieu. C'est l'appel que le Christ nous lance dans l'évangile de ce jour lorsqu'il dit « Il est resserré le chemin qui conduit à la vie, et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. » Alors prions. Père très saint, donne à ceux qui se préparent à suivre ton Fils sur la route étroite de l'évangile la grâce d'une vie vraiment fraternelle et la liberté qui vient de l'Esprit Saint, afin qu'il œuvre toujours pour ton salut. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons